est sorti. Ah, d'accord. Elle, elle... La porte, on va te sauver, Clem. On a 6 d'armure, c'est pas trop dégueu. En préfixe, on a 26% de dégâts augmentés. Hello. Cooldown réduction. Et là qui voilà, c'est Atlantica. Oh, je l'ai... Je l'ai sorti comme ça, mais j'avoue, ça sonne bien en fait. Ça va ? Wing, bing, et toi ? Bah oui. Bah, tu arrives au bon moment pour repartir dans un volt avec nous, c'est bien. Je vois que Clem est dans le chat. Il va peut-être pas tarder ? Non, mais il est là. Salut Clem. Je t'invoque, Clem. Bah, on attend qu'il arrive du coup. Waouh ! Il a répondu. C'est un phénomène paranormal. Je dirais même que c'est un fameux trauma. Oh, comment tu vas ? Don du jour ! Merci pour les 10 euros, merci encore pour tout ce soutien au Kadaiki à chaque fois. Merci pour ton aide. Et ça va bien, ça va très bien, on est dans le vol, c'est le plaisir. Don du jour, alors je dis c'est qui ça, Don du jour ? Salut, Don du jour, comment ça va ? Tu sais, ça, le pseudo, tu sais. Chorizo piment. Est-ce que t'as d'autres équipements très stylés qui pourraient me rendre excessivement puissant ? Est-ce que ça pourrait te rendre heureux, par exemple ? Bah, faut que tu montes ton armure et tout. En fait, show me what you got, et puis... Ah, il y a sûrement des armures au chorizo. Vas-y, montre un peu, là. Alors, qu'est-ce que tu as actuellement ? Du 11, du 11, du 7. Ouf. Vous pouvez compléter le cristal pendant que je fais des trucs pour Clem, s'il vous plaît ? Qui c'est qui disait qu'on avait de la brique ? On en a pas du tout. Comment ça, on a de la clé, donc si on a de la clé, on a de la brique. Voilà, l'espoir fait vivre. Comment ça, on en a pas du tout ? Bah, balance des trucs random. La brique, on en a 260, hein, donc... Mais je te fous de moi, si tu les... je te fous de ma gueule, là. C'est de la brique bloc que tu veux. Merci alors, Thomas Lenoux pour ton follow. Coûte cher Clem, hein, trop looké là. Après je trouve ça rigolo, hein, j'avoue que j'aime bien. En vrai ça me plaît bien. Je déteste, en vrai. À chaque fois t'arrives, tu me dis oui je veux faire quoi, je suis en mode alors qu'est-ce que je vais pouvoir vous faire aujourd'hui monsieur. Alors une petite coupe, un dégradé, qu'est-ce qu'on fait, un tube. Alors c'est parti. J'ai l'impression d'arriver chez Célio et de dire je sais pas ce que je vais prendre. Oui, ça. Qu'est-ce que je peux faire pour vous monsieur. Bon, je voudrais un jean. Alors ça c'est bon, on a notre plus 10. Là on avait dit qu'on avait notre plus 8 et un disarme chance, donc c'était ok. Et là celle-là j'ai essayé de récupérer du soulband plus de l'armure. Je suis un peu gourmand. On a encore un crafting potentiel de 80. Est-ce qu'on peut faire mieux? On a plus 2 de health. Plus 2 de health, mais j'aime pas. Plus 10 de mana regen, c'est de la merde. On a soulband 410 de durabilité. Intéressant. Mais pas de défense. On veut de la défense, soulband. Je veux armor. Plus 2 d'armor. Alors je pense que je vais m'arrêter parce que le crafting potentiel descend à 55. Donc plus 2 d'armor, ça nous fait du 8. Knockback resist, mana. Oh, mana regen, c'est nul. Et il me faut encore du bronze. Mais ça coûte tellement cher, putain. Heureusement que j'ai été miné plein de thunes là. J'avais miné de la thune. Ouais, mais j'en ai dans miné la thune. C'est tout mon porte-monnaie qui part. Bon, tu sais quoi, hop. Voilà, plus 10 de mana. C'est de la merde, mais c'est bien. T'as beaucoup de défense comparé à l'ancienne. T'es où, Clem? Je suis ici. Tiens, tu vas tout équiper d'un coup, nouveau look pour une nouvelle vie. Oh, il va falloir que je mette des compétences aussi, parce que je suis quelqu'un d'excessivement compétent. Le casque, il te va si bien, en vrai, il va pile poil sur tes yeux. Par contre, le reste, c'est dégueulasse. Faudra que tu passes dans une transmogrification table, parce que tu es vraiment aussi rouillé que ce bouclier. D'ailleurs, passe-moi ce bouclier aussi, parce que je pense que là, il faut faire quelque chose. Ça va pas être... regardez. Mais le casque, il me fait rire. T'es connecté avec la 5G, là, avec ton casque, mais c'est génial. Alors, qu'est-ce que c'est que ce casque? Level 10. Oh, Healing Cloud when hit un T4 légendaire. Il est disgracieux. C'est un peu, ouais, c'est un peu dégueulasse, mais bon, voilà, c'est lui, hein. Il a pas choisi, tu sais. Ouais, tu sais quoi, on va te donner ça. Non, mais j'aime bien parce que je peux lui refiler des trucs que, tu sais, des fois, j'ai envie de les tester, je peux pas trop, et là, je me dis, oh, il est joli, quand même. Durability. Ouais, voilà, prends ça. Je vais pas aller plus loin, parce que, bon, voilà, t'es déjà super bien armuré, maintenant. T'es moche. Mais par contre, t'as du bon stuff. Ah, désolé, un Cordula, mais seulement pour les stats, hein. Pour le visuel, faut aller voir sur le château d'à côté, hein, pas ici. C'est Christina Cordoustat. Ok, j'aime bien. Ok, elle est bien. On va voir ce que ça donne. Oh putain, c'est vraiment... Voilà, petite armure. Bah, faudrait changer tes bottes, quoi, jure, avec les autres couleurs. Mais en même temps, le pantalon, il y a un petit trait rouge qui s'est bien avec les bottes, donc il y a un truc. Hein. J'envoie du pâté comme ça. Hein. C'est pas mal, quand même, hein. On y va ou on y va pas? Allez, c'est parti. Je crois que j'ai pas pris assez d'unobtainium, mais sinon, si je le vivrais bien, j'ai une boussole. Oh,
Les gars ça... Nous Volt Nouveau Volt Volt du Nether. Un Evolt quoi. Par contre, mec, ce qu'il me demande là. Tu m'as pas invité à la partie. Ah bah attends, je t'invite. Il peut pas rentrer. Atlantica. C'est bon, t'es invité. Atlantica. La lave à l'entrée. Oh, on a du Volt du Nether. J'avais jamais vu encore celui-là. Ah, je peux rentrer dans la partie. Par contre, j'espère qu'il n'y a pas des Blaze qui nous sautent dessus là. Oh parce les que... gars. Il y a des bras zéro. Oui, bah oui, comme tout. Des bras zéro. Oh, le vol du Nether. Y'a que moi qui le sens pas ou... Ouais, faudra être méfiant hein, parce que... Ah, les blocs de magma. Ouah, c'est joli. Alors, qu'est-ce que j'ai de déprimé? Oh, par contre, y'a de la lave dans les couloirs et tout, oh là. Il me faut 4 en petit jar, hein. C'est le décès. Hein. Oh, je... Oh, par contre, il me faut plein de trucs. Je suis tombé sur une salle... Une salle de ambiance. Ah non, mais les objectifs, moi, je m'en fous. Perso, ça me saoule. Bah, moi, il me faut de l'épic, la repeat page 14. Il faut 4 épicoles et 4 un petit jar. Il faut du zombie brain. Des zombie brain. Ah putain, il y a de la lave. Ah, de la lave. C'est ce qu'on a dit. Alors d'accord, d'ailleurs, si tu meurs, sache que tu meurs. Oui, fais gaffe, tu perds tout. Ouais. Vérifie, alors, regarde tes équipements qu'on sous le band. Tu peux faire un petit... Pourquoi j'ai récupéré un cœur de plus? C'est l'équipement. On va juste tuer les petits qui m'ont poursuivi. Histoire d'être tranquille. Ouais, parce que je vais avoir une mauvaise surprise sinon. Oh là 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 là. Oh les lacs de lave en bas. Oh c'est la violence. Ça arrête jamais là. Ah, on l'avait jamais vu là. On est content de pas l'avoir vu en fait. Hein, parce que... Oh dis donc, il y a un renard de feu. Il m'a tapé, j'ai pris... Il y a le décès quoi. Et t'as tapé, t'as pris feu. Ok. Oh, ça fait mal. What the fuck? Ah oui, c'est les Fox Sound! Oh là là, il y a des piglins! Wouah! Oh merde. Ah oui, d'accord! Ouais, bah moi je vais rester alors, à l'entrée en fait. Qui dit qui dit donjon comme ça, c'est peut-être plus de récompense ou un truc? Ou... C'est vénère, hein. Gigique, prépare-toi à combattre! Elle va se préparer à rentrer dans le portail. Bah j'ai un zombie qui m'attend en bas pour l'instant, ça va, mais... Tu peux faire ton sort de soin? Bien sûr. Ah oh, merci. Tu es la meilleure gigue que je connaisse. Oh les lacs de lave. Ah oui putain, mais des lacs de lave sa mère. Il y a des lacs de lave. Ah je comprends maintenant le pouvoir de marcher sur le feu, tout ça. Au début je me disais, bah ça sert à rien dans le Volt. Ah bah voilà. On a trouvé l'utilité du truc. Bientôt, bientôt. Alors du coup, il y a de la... Là-haut, là, il y a le petit coffre, là. La masse de lave, je peux pas... Tiens, voilà. Ah, nickel. Oh, il y a l'air d'avoir quelque chose... Ah non, c'est un altar, là-haut. Bah oui, c'est pour... Oui, il y a un magma crime. Oh, les magma crime, faites gaffe, parce qu'ils font comme les slimes. Hein. Bah, j'y vais beaucoup plus prudent, là. Je suis en mode... J'ai le fruit. Renard qui prend feu. Ah, putain. Oh, Dark, il va falloir que tu refasses ta Christina Cordo, là, bientôt. Déjà? Ouais, non, c'est bon, j'ai fait crever, mais... Ouais, regarde c'est... ce que t'as de sous le band. Christina Cordou Dark. Ouais, juste Dark, en fait, c'est bien. En plus, alors, ils vont vite, les piglins, hein. Sous le band. Ouais. Tu vas sur chaque... et tu... C'est écrit en violet, dans les plus. Du cheese. Ah, oh, Dronehead Hide. Y'a quelqu'un qui avait besoin de Dronehead? Oh, Earthly Apple vous donne un cœur temporaire. Oh, ah, y a des trucs dans le Living Chest. Ah bah c'est bien, j'ai... T'en as aucun? J'ai zéro truc, ouais, qui est... Ouais, j'ai fait en sorte que tu te sentes un maximum à l'aise, Clem. Tu demandais quoi si quelqu'un avait besoin de... De Dronehead Hide. Non. Qui hey. Pas touché, pas touché, pas touché, couché. Oh, moi je voulais m'approcher de là-haut, mais je le sens pas finalement. Oh, du cheese! Cheese! Ouais, en vrai, maintenant. Oh, Skeleton Bone Shard! Mais j'en ai pas besoin! Oh, j'ai pas besoin de Skeleton Bone Shard. Ah, d'accord. Le renard de feu, il peut aller dans la lave tranquille. Ouais. Et il y a un générateur, un spawner qui est dans la lave. Je ne peux pas l'atteindre pour aller le péter. Ouais, après, sauf si t'avais du rich. Mais non, tu n'es mais, pas rich. 0,16 de rich, alors reste calme. Tu es pauvre. Non,
suis pas fou. Ah bah là, j'ai senti la sueur. Entre deux voilà, mais tout... là, j'avais le PC portable sur les genoux caché. Ouais, je vais le dire à ton patron. Bah il m'a aidé, il a fait les volts avec moi. Ah, c'est pour ça, alors t'es monté aussi facilement. Ah, j'ai des kippies. Ah bien ouais. Un cœur de dégâts par tir. Ah pichi, t'en as ou pas? Non, ça fait que pipi. Creeper, aïe, y'a quelqu'un qui avait besoin? Non. Ah vous débuté, vous. Ça faisait longtemps que j'avais pas craint un Volt, hein, de... Là depuis j'étais rentré un peu comme si c'était dans ma maison. Et là maintenant je suis un peu en PLS, là je suis en mode... Bonjour, j'ai peur. Je vois le cadavre d'Atlante, il est debout. Ah merci. Ouais mais si tu le prends, faut que tu sortes. Tu peux plus faire autre chose, si. J'en sais rien. You are the cadavre guardian. Mais non, c'est con, t'as tout perdu quoi. Peut-être quand il crépite. Ah par contre, ouais. Mais à mon avis tu pourras pas passer la porte parce que Clem il est avec moi. Donc De toute façon je suis mort, ça m'a éjecté dehors. Hein. Oui, c'est normal, on ramène que son âme, reste calme. Ah d'accord. C'est pour essayer théoriquement de lui ramener son équipement, je ne sais pas comment. On sait pas comment ça marche. C'est justement pour ça que c'est bien qu'il soit crevé. Alors attends. Putain, je venais de lui faire un stuff de ouf. Il voulait que Gigi qu'elle meure pour voir. Alors du coup, comme c'est toi qui es mort, bah ça l'arrange. Vous vous rendez compte à quel point j'ai galéré pour trouver un équipement là? J'ai sélectionné les trucs avec sueur et tout. De fou. You can't pick me up with that in offhand. Donc ça en fait, tu peux pas avoir un bouclier ou un truc parce que en fait, il est considéré comme ta main gauche quand tu l'as. Donc je le prends dans ma main gauche. Donc je vais d'abord faire le clean de la salle avant de faire quoi que ce soit d'autre. Est-ce qu'il faut pas l'activer à coup de pièce avant? Bah on sait pas. Et je pense que oui, mais il a pas voulu essayer le Darky. Alors, si, mais tu pouvais essayer, juste... J'en sais rien. Pour moi ça me paraissait pas logique que tu payes quelque chose que tu sais même pas que tu vas prendre. Normalement tu sélectionnes au fur et à mesure, tu mets juste tes golds et tes trucs. Écrit au moment où t'appuies sur le bouton combien il faut de la thune dedans. Et du coup tu penses que tu assures tes items en fait avant de partir? Ah ça me semblerait plus logique oui. Ouais, t'assures un potentiel truc. Donc en fait tu sais même pas qui va crever, il faut que tu... À mon avis, tu assures le plus quoi. C'est pour ça que je pense qu'il en faut un par personne de ces trucs-là, mais bon, vu qu'on sait pas comment ça marche, On est dans la phase expérimentation. Attends, wesh, c'était quoi ça? Oh, c'était un chef barbare. Oula! C'est ceux qu'on trouve dans les strongholds, là. Il y a des piglings. Comment s'appelle ceux-là déjà? Ils ont un nom, ils sont plus puissants. C'est les brutes, ouais. Ouais, brutes. Et brut. Brut. Le nouveau parfum pour homme. Brut. Ouais, parce que sur internet, ils disent juste que tu dois récupérer le corps et qu'ils te disent la somme que tu dois payer. Voilà, et normalement, dans la description, ce qui est dit, c'est vraiment... Prends le truc, quand t'as ton âme, tu y vas et tu payes ce que tu dois en fonction de l'âme que t'as ramenée. C'est compliqué parce qu'en fait, c'est vrai que les gens donnent pas forcément de conseils parce que la plupart des gens qui jouent sur leur mode pack le jouent en solo. C'est rare qu'on ait des gens qui fassent des serveurs ou qui jouent en multi. C'est ça, ouais, j'étais en train de regarder des vidéos, c'est ça, ils sont tous en solo. Donc la plupart des gens qui jouent, voilà. Et ceux qui ne jouent pas en solo, c'est-à-dire les gros youtubeurs américains, par exemple, font beaucoup de cuts dans leur tournage et ils t'expliquent absolument pas. Tu vois, par exemple, ça m'a fait plaisir, il y a quelqu'un sur la live qui m'a dit « Oui, c'est cool, grâce à toi, je me suis rendu compte que je m'y prenais mal dans le Volt, et du coup, bah, j'ai pu recommencer et jouer, et maintenant, bien profiter de tout ce que le Volt pouvait m'offrir. » Le problème, c'est que les youtubeurs, ils ont tendance à être en mode « On veut du divertissement, on n'explique rien. » Et c'est vrai que ça, c'est une chose que j'essaie de faire un petit peu dans les vidéos. Ça reste un truc qui est... Voilà. Mais c'est vrai que c'est quand tu vois les gens sur les mode pack, il y a plein de fois où les gars, ils passent à côté en mode « Pas les couilles. » Tu reviens par tes blocs ou pas? Je reviens, oui, je reviens par mes blocs. Ok, et tu monteras sur le... En plus, surtout qu'en fait, j'ai une salle des machines, là, et j'étais en mode, bon, j'ai pas trop cherché à réfléchir. Sur l'échafaudage... Ah, c'est l'échafaudage que t'as mis, là, c'est ça? Faut monter? Ouais, tu montes sur l'échafaudage. Oui... Ah, tu me rejoins. Oh. À droite, Côté Gilded, là? Ouais, là. Bonjour. Vous avez ouvert les coffres, c'est bon? Quasiment tous, ouais, et il est là. Okay. Oh, Clem est là. Clem is dead. You're dead, dead Tika. T'attends pas trop, il reste que 3 minutes 40, hein. C'est bon. Oh, c'est mignon. Vous êtes c'est trop mignon.
tu le portes sur ta tête allongée. Et toi, tu t'avais pas eu Gigi sur ton... Non mais Gigi, elle est partie. Gigi qui est pas morte, elle s'en est sortie. Ah d'accord. Gigi, elle est dans la porte. On va te sauver, Clem. En fait, les points que tu m'as donné, tu m'as dit il faut les mettre sur la course. Moi j'ai tout mis sur la course. Maintenant je cours tellement vite qu'il m'a pas rejoint. Bah, c'est trop mieux. Je me suis barré à une vitesse. Et d'ailleurs le knockback résistance que t'as mis, du coup ça tourne ou pas? Bon écoute, ça a l'air de oui. J'ai l'impression. Vous avez activé le verrouillage de la rotation. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle a activé le verrouillage de la rotation. Mon Dieu, mon téléphone. Oh, regarde, il y a l'âme de Clem. Il y a l'âme de Clem, donc. Ah, il s'en est sorti. Ah, attends. Ça a marché. Ça marche. Voilà. Et là, tu peux payer. Ça marche. Let's go. Voilà. Donc c'est bien c'est ça. Loin, tu ça, dis donc. Tu ramènes l'âme et ça marche. Mais pourquoi celle de Caillou ça n'avait pas marché d'ailleurs l'autre fois? Que on n'était pas encore du bon level, j'imagine. Ah. Et on a modifié un truc, il a pété la Beginner's Grace, mais comme on était quand même inférieur au level... Peut-être que ça marchait pas parce qu'on n'était pas en Beginner's Grace. Enfin, il faut sortir de la Beginner's Grace. Et là, tu vois, donc tu prends que les trucs qui t'intéressent, donc déjà les trucs de ouf que je t'ai filé. Et donc là, il faut mettre de la thune. Ah, comment je fais? Ah oh, putain, il faut de la thune. Ah bah oui, il faut de la thune. Alors, off gold, vault gold. Alors, attends, je vais t'en chercher, Clem. Par exemple, Clem. Voilà, là, normalement, avec 7, tu peux tout récupérer. Essaye, vas-y. Clique sur le bouton en bas à droite. Qu'à manger. En bas à droite, 100%. Regarde, ton stuff. Oh! Oh la vache. Il a tout dégueulé. Voilà, ça, bah, c'est 7 de gold pour récupérer ton stuff. Donc, y'a pas besoin de l'assurer. Ah, tiens, j'ai ton casque. C'est cool. T'as récupéré ton stuff ou quoi? Oh, c'est bien. Voilà, bon, maintenant, on est rassuré, on sait que ça marche. Et on sait qu'il faut beaucoup d'argent quand même. Let's go. Ouais, c'était pas cher, j'avais un minimum. Bah oui, c'est... oui, je sais, j'ai pris mon argent de poche. Moi, ça me coûterait 9 balles. Hein. Moi, je sais pas combien ça coûterait du coup. C'est écrit dessus. Oui, je sais, mais... écrit dessus. Moi, ça coûterait... Bah, moi, je sais pas. 5. The cost would be 5 vol gold. Oh, mais ça va, je suis pas si cher que ça. Comment ça, 5? Bah, ça me dit 5 pour moi. Après, j'ai qu'un 1 épic, moi, hein, donc... Ah, d'accord. Attends, j'avais pas équipé mon bouclier. Bah, comment moi ça me pourquoi j'ai récupéré dessus, ça me le met pas. Il y a pas besoin de cliquer. C'est toi qui m'as donné un casque là. Je paye tout. Sur les pièces tout à droite, en gris. Et puis j'avoue que mon épée de porc, par exemple, elle est scrappy. Donc je crois qu'elle, elle coûte rien. Mon épée de porc. Ouais, tu vois, Vol Sword, 0. Donc ma Vol Sword, déjà, elle coûte rien. Et du coup, j'ai ramené des pommes et elle te donne un cœur temporaire. Alors je sais pas combien de temps. Je vais peut-être les tester une fois. Un cœur, ok. Combien de temps? Jusqu'à ta mort. Ah, mais non, cœur temporaire, ça doit être comme les cœurs bleus, un petit peu de Binding of Isaac ou autre. Genre, dès que tu prends un dégât, ça l'enlève. Et tu vois, les jaunes, c'est comme dans Breath of the Wild, les cœurs jaunes, là, c'est une fois que tu l'as perdu, il est plus là. C'est ça, c'est ça. Récupère un petit peu pour commencer à forger, pour essayer, par exemple, de récupérer... un bouclier. Bah, là, dans le coin. C'est nul. Ah, tu le vois pas, d'accord. Y a un bug d'affichage. C'est du T2, mais alors ils sont claqués. Et parfois. Undershield. Il est joli, hein. Ah, il est pour Gigi qu'il est violé. Après, je peux custom le bouclier de Gigi pour qu'il devienne violet, oui. Le bloc chance, c'est un T1, quoi, putain. Après, le reste est pas mal, hein, quand même. Ah, je suis content. Ça va remplacer ce... parce que je voulais me débarrasser de lui. Ce sera mon prochain bouclier, celui-là. Bon, opening d'épée, mon gars. C'est une T2 à 15, cette fois. Et une T2 à 17. Épée à 17 quand même. Elles sont toutes scrappy, mais on en a une qui est à 17. 17 avec 1,69 et 1700 de durabilité. Plus 3 d'attaque dommage, donc elle fait 20 dégâts. J'ai une épée qui fait 20 dégâts là. C'est plutôt intéressant. Le reste est pas ouf, mais voilà, c'est déjà bien. Oh, Chaining Attack. Chaining Attack plus 2. Ça, c'est pas mal. 18 plus Chaining Attack. Je pense que c'est solide en vrai. Ah, oui. Voilà, bah, ça nous fait un set d'armes.
Eh, j'ai record au moins, moi ? Oui, c'est bon, ça fait 3 heures que je record. Oh, t'inquiète, ça se récup, ça se récup. On perd un poil de qualité, mais si jamais, je peux encore récupérer les lives, hein, c'est pas... Mais c'est vrai que c'est mieux de les avoir. Depuis tout à l'heure, je filme avec l'écran de mon téléphone sur mon écran de PC. Putain, ça me rappelle l'époque de, t'sais, du YouTube de 2008, là. avec leur micro pourri, tu sais. Il faisait pas comme ça. Oh non, un petit let's play. Salut à tous les copains, c'est Diablo X7, aujourd'hui je fais un tuto pour gagner des... pour gagner des caisses, oui, je suis sur Minecraft. Attends maman, attends, je termine. C'était aussi l'époque horrible des intros en 3D. Ah putain, mais on l'a tous fait. Dans tous les sens, d'une minute trente. Ah mec, mais nous aussi, hein, et on kiffait, hein. Ces 4D là, t'étais là en mode ça explose et ça tourne, et on faisait waouh. Mec, attends, c'était une dinguerie, hein. Souvent, la musique était à fond, très mal gérée niveau audio. Enfin, je veux dire, c'était trop fort, quoi. T'avais tous les mecs qui étaient devenus des VFX et tout. Genre, ils faisaient tous des effets spéciaux. Ils utilisaient C4D avec un template et c'était des VFX.